4. Je dédie ce slam à un ami très proche. Je fais souvent l'islam et l'écriture pour moi c'est plus une passion. Toc toc toc, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Mon frère, j'ai rencontré la femme de ta vie. Je t'assure, c'est quelque chose de formidable. Je te jure, si tu la vois, tu serais bien. C'est une personne convenable. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à être en contact. Même en étant si proche, entre vous deux, une barrière s'installe. Pourrait qu'un jour, tu fasses le pas. Je vois dans ton cœur, l'amour est instable. Tu absorbes tellement de souffrances que parfois la vie te semble banale. Elle m'a dit que tu penses et tu passes plus de temps avec cette fille et ces choses. Et elle toque souvent à ta porte, mais tu refuses de la voir, jamais de pause. Tu consacres plus de temps à ceux qui te font souffrir, au capitalisme de ce monde, à celui qui veut te voir mourir, pauvre, s'enrichir sur ton dos d'esclave, qui porte les douleurs, les couleurs de l'humanité. Moi, je t'assure, ça me fout la rage. Alors ouvre un peu les yeux, ou même non, laisse les deux fermés. Regarde bien ce noir, ce fond qui se cache au fond de toi. Te sens-tu heureux? Y a-t-il un ou des souvenirs qui te mettent à l'aise sans avoir bu ou fumé un peu ou de trop? Es-tu fier de voir ce que porte ton cœur? Pourquoi passes-tu plus de temps à être malheureux? Pourquoi as-tu peur de te battre pour les cieux, travailler et t'élever vers quelque chose de lumineux? Pourquoi laisses-tu ces bombes exploser dans ta tête? Tu penses vraiment qu'une guerre nucléaire est profitable pour tes ennemis? Que l'or noir n'est pas la cause de notre propre génocide? Que nos ancêtres, ces grands prophètes, ces guéris de l'histoire, tes pauvres parents sont-ils morts pour te voir devenir un minable esclave de tes sentiments? Te voir travailler pour l'imaginaire. Regarde bien au fond de toi, mon frère, regarde bien. Et dis-moi si tu es heureux. Ou dis-moi si tu veux être heureux. Si oui, vis de ta cervelle. Ton cerveau dispose d'une corbeille. Ce qui est inutile y va. Le seul remède, c'est toi. Ce qui te permet de vivre, c'est grâce à l'amour de quelqu'un, de quelque chose, à un talent, que tu le veux ou non, c'est grâce à elle. Alors, il y a ce bonheur qui t'attend. Si tu décides de juste d'ouvrir ta porte, toc, 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 il y a quelqu'un qui toque à ta porte.